Yo vle fè konnen ke sélection Argentine de football la, et bien li supporté par corps arbitrage que FIFA li même li choisi. C'est comme si que nous te capable di que Argentine li même yo a supporté li nan Coupe du monde lan pour li te arriver côté lié à la. Question ou te capable poser. Est-ce que nan lieu côté Argentine li rive a? Est-ce que c'est un bagage yo fè le cadeau? Ou encore, est-ce que c'est pas travail li travail pour li rive côté lié a? Est-ce que li pas mérité place que li a géré nan Coupe du monde lan pendant un moment que m'a parlé avec ou là? Eh bien, après qualification Argentine sous la sélection quad de football, eh bien, gen un pile vie causé qui répété après qualification ça. La presse quad li même, li te fait des déclarations à propos de qualification Argentine sous sélection quad de football là. Et question yo te posé, yo te le fait connait que est-ce que te gagne faute vraiment sous Julian Alvarez nan premier action goal que Argentine même yo t'a créé côté Alvarez lui-même il était prend direction quand côté il t'a bra faire goal là et puis gardien lui-même t'est taclé lui il était tombé dans carrière et yo t'ai bail pénalité et bien yo mandé est-ce que t'ai gagne pénalité sous Julian Alvarez et yo même voulait faire ouais que Argentine lui-même nan Coupe du monde ça seulement joine 4 pénalités est-ce que toutes 4 pénalités ça yo est-ce que yo justifié ces questions qui posées à propos de sélection Argentine de football là. Et bien sous même lancer ça, nous t'ai vinn gagner après match Portugal vs Maroc là et nous t'ai connait très bien, c'était un Argentin qui t'a arbitré match ça. Et bien Pepe ensemble avec Bruno Fernandes yo même, yo t'ai plein en pile dit fait que c'était un arbitre Argentin qui yo t'ai fait arbitrer match ça. Et yo t'ai même voulu faire connait que il a fait une façon pour yo t'ai capable faire Lionel Messi lui-même, les champions avec Argentine. Et nous t'ai gagné aussi Luka Modric encore qui t'ai fait une déclaration après match si là. Eh bien monsieur t'ai fait connait que li pa remen trop parler des arbitres soi-disant qui a mal arbitré. Eh bien li t'ai voulu faire connait que ça que li t'ai wè qui t'ai rivé là nan jour que Argentine lui-même t'a retrouvé qualification sous équipe Croatia. Eh bien li t'ai fait connait que ça pas te fait le bien du tout et li pas capable parler parce que faut que li parler exactement pour ça que fait le mal. Monsieur voulait faire connait que arbitre là lui-même li pas arbitré match là bien du tout surtout avec pénalité arbitre là lui-même il était bail sous sélection quad de football là. Bien avant on a dit merci. Merci pour fidélité ou. Merci parce que vous choisi fait partie de famille ça. Avant tout m'a dit comment vous êtes. M'espérer ou en forme. Ou connaît nous toujours là pour nous chercher des informations pour nous partager avec vous. Moi connaît ou pas kebe information ça pour compte. Moi connaît que vous déjà partagé li sur tout groupe qui gagne sur Facebook, ou partagé li tout côté et ou pas négliger quitter un like la vidéo ça que vous regardez là. On garantit que ou pas faire un commentaire pour dire qu'est-ce que vous pensez de finale ça. Qui compte vous suivre vidéo là, ou t'aime toujours une belle information ça que n'a partagé avec vous de jour en jour. C'est pour raison ça me penser que si vous pas abonné, pour faire ça tout de suite pendant que n'a pas une petite pause, n'a tourner tout à l'heure. À propos de toute déclaration qui a faite de sélection Argentine de football là, est-ce que un ou même qui a suivi vidéo ça, est-ce que ou est li réellement vrai? Parce que je veux faire connait que t'as semblé que FIFA lui-même li a supporté Argentine n'ayant façon pour Argentine lui-même capable champion, surtout peut-être Messi. Et pas oublier depuis tant de temps, yo toujours voulu faire connait que FIFA lui-même li toléré Messi en pile. C'est pour raison ça, yo pensé que FIFA lui-même li a toujours utilisé un moyen pour être capable faire Messi lui-même li champion du monde. Mais question pour ta poser tout, est-ce que c'est cadeau fait Argentine cadeau place ça côté lié à bien que nous te dit déjà est-ce que yo pas goumé en pile pas oublier Argentine était perdu premier match li et qui goumé et qui fait en pile effort qui souffre en pile pour arriver dans face ça qui arrivé et après défaite Argentine nan pas de gen moun qui te pensait que yon Argentine lui-même l'était privé dans face ça et bien sous toute déclaration ça qui a fait là gen deux anciens arbitres français que yo prend qui pour juger quatre actions pénalité que Argentine lui-même l'était joindre pendant moment Coupe du monde Qatar 2022 ya. Deux anciens arbitres ça yo c'était Philippe Malige et deuxième nan c'est Bruno De Rien. Eh bien, sous première action pénalité que Argentine lui-même était joine, c'était face Arabie Saoudite. Côté, t'es gagné un centre qui était fait. Salem lui-même qui s'est joué Arabie Saoudite, qui quitte Kebe Paredes et arbitre là lui-même était bail pénalité. Eh bien, pour la première pénalité ça, nous gagné Philippe Malige lui-même qui dit comme ça que t'es gagné faute sous Leandro Paredes parce que joueur lui-même, il était ceinturé Paredes, il était Kebe Paredes dans ceinture, dans surface de réparation. Eh bien, monsieur dit dans situation ça, eh bien boule là lui-même l'était pénalité. Il est vrai que arbitre central là lui-même, il pas de gétan ouais, et bien va aller même lui relé, et bien là il a vérifié lui ouais exactement, t'es gagné pénalité. Et nous t'ai gagné Bruno De Rien qui t'a dit aussi t'es gagné faute sur action parce que joueur lui-même, il était kembé Mario Leandro Paredes, il était centré lui, il était empêché lui bouger. Et bien c'est pour raison ça, Bruno De Rien qui c'est un ancien arbitre français, bail avili sur question pénalité. Nous va aller pour deuxième pénalité que Argentine déjeune. Dans deuxième pénalité
que Argentine te joue nan, c'est dans troisième match li face Pologne côté li te bral retrouver place premier dans groupe CA. Eh bien penal ça li même li te fait dans 36e minute de jeu côté c'est Acuña li même qui était centré mais c'est lui même te fait action pour lui te faire un coup de tête mais gardien la Pologne li même te al frapper Messi te al toucher Messi dans partie visage li. Eh bien avis que Philippe Malidj qui c'est un ancien arbitre français te bail sous action hein c'est dit pour lui même gardien pas touché ballon et gardien lui même il était arrivé toucher visage Messi. Monsieur dit il est vrai que tête la Messi tabal fait tête la pas arrivé fait mais quand même gardien lui même il frappé Messi et automatiquement que gardien lui même il volé il pas joindre boule là et il frappé Messi. Eh bien nous capable dit que gagne une faute sous action et faute là qui bon faute la fait exactement dans surface de réparation hein. Eh bien pour lui même monsieur le fait qu'on est que boule là lui même il était faute et c'était pénalité. Deuxième ancien arbitre français a monsieur dit pour lui même pénalité a lui même il était extrêmement sévère. Monsieur dit pas de aucune volonté pour gardien te blesser Messi, ok? Mais quand même, nous te rejoignons que gardien lui-même l'était frappé Messi dans le visage. D'après avis, deux anciens arbitres français ça yo, te gagné pénalité sous action. Et bien, la troisième pénalité qui t'est faite, c'était face à la Hollande, dans 70e minute de jeu. Et bien, Argentine lui-même t'est déjà amené un goal à zéro. Et Acuña lui-même qui t'est souligne surface de réparation, Denzel Dumfries lui-même t'abral frappé Acuña et qui t'abral tombé en dans surface de réparation. Eh bien, avis que Philippe Malidj, qui c'est ancien arbitre français, qui ça m'a fait qu'on aime, j'ai dit comme ça que c'est le seul péché qui a gagné. Est-ce que exactement Acuña lui-même l'était trouvé li dans la surface de réparation? Eh bien, je voulais reconnaître que depuis exactement l'été souligné, c'est comme si l'était dans la surface de réparation. Denzel Dumfries lui-même qui a le premier monsieur à contre-pied, c'est comme si c'était un balayage. Eh bien, Acuña qui était tombé dans la surface de réparation, je voulais reconnaître que pas de discussion dans ça. Et nous devons rejoindre encore Bruno de rien encore. Eh bien, je voulais reconnaître que j'ai dit celle question où tu as de poser est-ce que exactement Acuña t'a trouvé li en dans surface de réparation et lui même dit encore si Acuña t'a trouvé li sous ligne surface de réparation c'est comme si on était capable considérer lui toujours en dans surface de réparation. C'est toujours la même chose. Dernière pénalité que Argentine lui-même lui était joué dans la compétition ça, c'était face Kouassi dans la demi-finale là. Eh bien, action ça t'est passé dans la 31e minute de jeu. Kouassi t'a critiqué arbitre là parce que Perisic t'a fait une frappe côté boule là t'es corner et il t'a réclamé corner là et arbitre là lui-même lui pas de bail et yo vinn ouais que arbitre là lui-même lui a le bail pénalité ça sur yo. Eh bien, après que Enzo Fernandez t'a fait une longue balle sur Julian Alvarez, côté Julian Alvarez même t'a oui à boule là et à peine il était arrivé sous gardien il a traversé boule là pour le faire jouer pour faire goal là côté gardien lui-même t'est taclé lui t'est empêché lui river et bien arbitre là t'est soufflé pénalité. Philippe Malidj t'est fait connaître t'est ba avili il t'est dit que c'était un face à face que Julian Alvarez lui-même il t'est frayé avec gardien côté ballon t'est dans pied Julian Alvarez il voyait boule là il passait boule là sous gardien avec l'idée pour lui t'est récupérer lui pour lui faire goal là et bien gardien lui-même qui t'est venu empêcher Julian Alvarez monsieur t'est fait connaître pour lui-même arbitre là estimé que gardien lui-même il t'a pas essayé disputer ballon mais exactement c'est empêcher que l'était empêcher Julian Alvarez lui-même t'est al jouer ballon pour le faire goal là. Nous devine ouais que arbitre là lui-même l'était bail gardien carton jaune. D'après ça que Malidj lui-même lui dit a, il le fait connait que boule là lui-même l'était gagné pénalité sous lui. Et deuxième ancien arbitre là fait connait encore gardien lui-même l'était exactement ralenti Julian Alvarez sous action parce que pas oublier dans action que Julian Alvarez t'est fait a, c'est pas une action pour boule là t'est trop à l'entrée dans camp. C'est jouer le jouer boule là dans une façon pour le récupérer lui pour le faire goal là. Même arbitre ça veut faire qu'on est que action ça que gardien fait a, il était mérité un carton rouge. Entre temps, arbitre là lui-même c'est carton jaune, li bail. Et bien, c'est comme ça que deux arbitres français ça yo, Philippe Malidj et Bruno Derien, yo te bail avio sous tous les quatre pénalités que Argentine lui-même l'était joué dans mondial ça. Là regardez bien, ouais, une équipe qui t'a perdu premier match li et qui goumé en pile pour lui faire côté lié a, c'est pas une équipe que yo fait cadeau. C'est pas une équipe que ou jouen arbitre a supporter yon match. M'pense que place que Argentine li même li genye journée jodi a nan Coupe du Monde lan li extrêmement mérité. Mwen di ou merci avec ou même qui te prend tout temps qui t'a regardé vidéo a. Félicite ou. Déjà ou konnen rendez-vous a. C'est pour une autre vidéo.